Bon bah c'est reparti, hein. Je suis toujours en train de faire mon thermorégulateur. Bah ouais, hein, j'ai des effets spéciaux et tout. Hein. J'ai juste coupé, j'ai remis, voilà, super, nouvelle vidéo. Wow. Donc voilà, je vais essayer de survivre. Survie War of Mine. Alors je sais pas combien de temps va durer la game, parce qu'en fait moi la dernière fois, elle avait duré 25 jours quand j'ai commencé en hiver. Donc là je suis avec deux persos qui ont du mal, ça va peut-être finir dans ces eaux-là, hein, 25 jours. Ou peut-être même avant, on va voir. Voilà. Hop, 14 degrés, c'est pas bon. Amélioration du chauffage, des bidules comme ça, c'est noté, il y en a plein au squat des labres que j'avais visité ultérieurement, donc c'est parfait. Juste sur le combustible, donc ça, les planches de bois, ça va devenir, donc là j'arrive sur l'hiver, donc les planches de bois vont devenir mes nouvelles meilleures amies. Ça, ça va être la chasse aux planches de bois. Et puis l'objectif, bah donc après le chauffage, ce sera de faire mon établi pour faire mes lames de scie, quoi. Pouvoir avoir accès à toutes les zones dans les cartes. Ça va être très important. Hop, ça y est, elle a fait ses bubuches, Sveta. Hop. Une. Regarde les degrés. 16, 17. 18. Très bien, une bubuche. Je vais regarder la radio. Voir un peu à... Puis à la fin aussi, lui il a mangé, hein, oui. Pour savoir c'est quand la guerre. Allez, dis-moi que s'il y a quelqu'un à la porte, dis-moi que c'est un personnage, dis-moi que c'est un personnage. C'est quand la guerre, c'est quand la fin de la guerre, les enfants. Et parmi ça cache tout. Faites attention, de pire, d'accord, merci. Allez, dis-moi que c'est. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, oh, arrivée providentielle, alléluia. Ben ouais, je sais pas qui c'est, mais il a le sac à dos et tout. Ça, c'est un personnage, ça. Oh, Mako. Oh, mes prières ont été entendues, mon personnage préféré. Ah, bon, bah, en avant les croquettes, ben on est sauvés, hein. Oh là là. L'arrivée providentielle. Mako, t'es le... Oh là là, merci, Mako. T'as faim, t'as soif, Mako. T'es légèrement malade, Mako. Prends deux pilules, Mako. Viens, 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 prends deux pilules. Oh, c'est bien, ça, Mako. Oh, c'est un bon gars, Mako. Tu vas l'aimer, Zeta, tu vas l'aimer. Oh. Voilà, gobe-moi ça, hein. Tu resteras au lit la nuit prochaine, mon petit Mako. Histoire d'être en forme. Bah ouais, ça va t'aider. Alors, putain, sauver, quoi. Oh, bah sauver, bon bah c'est parti, hein. Bon bah je vide le squat. Et puis je fais mon chauffage, quoi. Un petit lit pour Mako. Non, même pas des planches de bois, bon, c'est pas grave. Oh là, sauver, 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 Mako. Bon bah c'est cool, bon bah super. J'avais peur, oh là là, ouais, j'avais peur que, voilà, bah de décourter la game, quoi, décourter la game. Donc, alors maison mitoyenne, ça, ok, je vois comment ça se fouille, supermarché. J'ai dit chauffage en priorité, je visiterai bien les lieux là, mais chauffage en priorité, donc, allez, Mako, il va au lit d'abord. Bah vas-y, Mako, dors dans un lit. Toi, tu vas dormir dans un lit. Toi tu vas monter, à ce moment là je vais les faire reposer chacun. Ouais, parce que voilà, Anton il va monter la garde. Et puis on ira au squat dès après le prochain coup avec Mako à ce moment là, je vais faire comme ça. Enfin je voudrais pas que la maladie de Mako s'aggrave, je voudrais qu'il soit opérationnel le plus vite possible. Voilà, aucun d'entre nous n'a été blessé, les 7 balles ont été 7 balles, voilà, donc là super, hein, tout le monde est en mesure de parer à tout et n'importe quoi, donc c'est super. Anton il est bon, Mako il est bon, super, bah ouais il fait chaud Mako, hein. Mais une bûche Mako, ouais je l'appelle Mako, c'est dans Mass Effect, mais non c'est Marco qui s'appelle. Voilà c'est bien, 14 degrés. Je vais même attendre jusqu'au chrono là, voir s'il y a un autre perso qui arrive, hein, pourquoi pas. À 4, voilà une bûche 18 degrés, c'est bon, on est bon. Bon bah super quoi. Alors Mako c'est le mec, c'est le pompier en fait. Donc moi je crois qu'il est gentil. Parce que chaque personnage du coup a deux facettes. Mako je pense c'est un mec gentil. Hein. Là on a deux gentils et un méchant. C'est Anton le méchant. C'est un vilain. Mais non, non, c'est cool, hein, c'est cool. Bon bah je vais attendre le chrono, puis on va voir comment ça se passe. Je vais baisser un petit peu le son. J'ai peur qu'on entende... mince. Qu'on l'entende trop. Hop. Non, 4 c'était bien. J'ai cliqué sur... reste couché toi.
Alors Marco en plus c'est super, je crois qu'il boit pas, il fume pas, voilà, pas de café, pas de clope, donc c'est super. Ah bah c'est ceux qui survivent en premier, c'est sûr, hein. Moi je serais déjà mort. Bon. Je te jure. Putain, bon, c'est bon, y'a personne. Tiens, un pignouf là. J'arrête. Ça c'est quelqu'un qui vient demander de l'aide. Donc cette fois on est en mesure de le faire, donc j'ai envoyé Sveta et puis c'est Anton qui montera la prochaine garde. Bonjour. Pas du tout mec, on est là depuis le début, on galère comme des oufs. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, il va aller fouiller des trucs lui. Vas-y. Vas-y, c'est parti. Bon bah voilà, du coup elle sera pas disponible. C'est pour ça que la fois d'avant j'ai pas envoyé mon personnage des légendes parce qu'elle sera pas disponible cette nuit, donc Anton va monter la garde et Mako, mon héros, il va aller fouiller le squat s'il est toujours disponible. Et là voilà, il va falloir s'occuper du... terminer la journée, toc, il va falloir s'occuper du chauffage le plus rapidement possible. Voilà, Anton monte la garde, Sveta va revenir le jour d'après, enfin au matin, et voilà, partir collecter. Voilà, super. Donc voilà, toujours, tu vois, voilà le principe de ma technique de tout rassembler, hein, j'arrive, c'était surtout pratique avec Mako, avec Marco, ou Boris, hein, voilà, j'arrive, je prends les trucs, quoi. J'ai vu sur le... Voilà, là, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Les balles, le sucre aussi. Je reviendrai prendre tout ça. Non, je le viderai, ce coin. Je le viderai. Je crois que là, c'est à peu près équilibré. Tac. Bon, bah, super. Hashtag, j'ai un vrai chauffage. Voilà, avec un peu de chance, Sveta va ramener des trucs. Voilà, les deux sont là, donc ils sont en vie, c'est cool. Ils ont des livres. Voilà, personne n'a été attaqué. Sveta a ramené du tabac et du sucre, c'est bien ça. Hop, Mako, au pieu. Sveta, au pieu. Mais pas avec Marco. Hein. Et toi, tu vas manger? Ouais, c'est nul. C'est nul. Et puis j'ai que deux lits là en plus. Ouais. J'ai que deux plumards. Tu vas les bricoler. Donc là, ouais, du coup, j'ai deux lits pour trois personnages. Je vais pas faire un lit supplémentaire. Optimisation des lits, hein, que chacun dorme 30 minutes. Et puis là, lui, il ira au lit une fois qu'un des deux sera relevé, quoi. Voilà, magnifique. Voilà. Sauvé pour là, pour l'hiver, c'est sauvé. Il va me falloir du bois. Mais pour ça, j'ai Mako. C'est lui qui va porter les bubuches. Donc c'est donc bon. C'est bon, quoi. Easy. Bien, tu vas nous mettre une bûche, donc ça diminue la quantité de carburant nécessaire, enfin le carburant dure plus longtemps en fait, je crois que c'est ça, il faut quand même mettre les 6 bûches quand on est dans le gros hiver, mais ça dure plus longtemps. Alors voilà, je reviens rapidement, j'ai pas besoin de faire de lit. L'établi, toc, j'ai pas de pièces d'armes pour faire un couteau, ce sera bien que j'en fasse un, et va me manquer des trucs de construction, très bien, et après je serai en déj de bûche. Il m'en faut combien là? C'est 30. Ouais, il m'en faut 30, j'en ai 25. Donc, ok. Je fais ça le prochain coup. Et puis ça le fait. On va voir s'il y a quelqu'un qui se pointe. Quoique, est-ce que j'ai des choses à troquer? Absolument pas en fait. Non, bah. On y va. Hein. Terminer la journée. Je réfléchis, non, j'ai rien besoin de... Bah si, je suis bête, je vais attendre qu'il y en a un des deux qui se lève pour aller coucher Anton, en fait. Comme ça, quand je pourrai terminer la journée, ben, il sera reposé. Et je me relais une clope. Y a pas de raison. Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, toujours positivé, tiens, bah, le trader. Vieux. Mais tiens, il me fallait quoi là? 5 trucs de... 5 bidules là. Tiens, c'est combien ça? J'ai pas besoin du sucre pour l'instant. Le tabac, je vais pas en avoir besoin. Bah tiens.
toute façon, ça c'est. Je suis trop avancé dans le game, je ferai plus de. Ah d'accord, de trucs de sucre, un truc de tabac, d'accord. Je suis trop avancé dans le game, donc là j'aurai pas le temps de faire des crafts pour faire des médocs et tout. Hein. Là ça me servira à rien du tout. Je prendrai bien des bandages. En plus, franchement, des médocs, j'en aurais pas besoin si je gère bien du slip. Personne sera malade, donc je peux vendre un cacheton. Mais il est content là, je lui ai mis le cachet, il est content le gars. Ça, mais ça j'en trouverai, je retrouverai. Je réfléchis, bah vas-y, on fait péter, on fait péter du bois. Hein, vas-y, on marche. Voilà, faut pas chercher, enfin voilà, il n'y a pas de bénéfice dans la guerre, quoi. C'est ce qu'on a besoin. Enfin, c'est ce dont on a besoin dans l'immédiat qui va coûter le plus cher. Il n'y a pas de valeur sur les produits à proprement parler, voilà. Donc voilà, le fameux établi, là je suis au jour 18, c'est beaucoup trop tard pour poser l'établi. Mais comment dire, mieux vaut tard que jamais. Et je vais présenter vite fait, bien qu'on s'en fout, mais je vais présenter rapidement les armes hein, qui nous permettent de faire plein de trucs super bien. Hop, je vais les faire se promener, bah c'est les Sims, allez discuter les enfants, après la radio discuter, voilà. Hop. Voilà donc la fameuse lame de scie dont j'arrête pas de parler pour avoir accès à tous les trucs dans la carte. La hache, alors je crois que c'est le meilleur engin au corps à corps non furtif. Et ça permet donc de couper les petits mobiliers de décoration dans la carte en fait, pour avoir des bois et des matériaux. Donc ça va être mes priorités. Et puis là le couteau, très bonne arme, même en défense, garder le couteau dans la base c'est toujours bien utile pour se défendre contre les pillards. Et puis voilà un casque, si on trouve un casque à moucher. Et je pourrais encore le P pour fabriquer des fusils et des. Et faire les douilles, voilà, les fusils cassés, les pistolets cassés, les douilles qui peuvent être utilisées, mais je veux vraiment pas en avoir besoin de ça, hein. Ce sera superflu. J'ai combien? J'ai 3 flingues, 13 balles, je vais avoir besoin de balles par contre, mais j'en trouverai quoi, pas besoin d'en fabriquer. Donc voilà, en ton au lit, et là je vais faire terminer la journée. Comme ça il sera reposé. On va écouter vite fait la radio. Le café est disponible. Début de l'hiver. Voilà, début de l'hiver, donc là il faut faire les prévisions de bois. J'ai toujours ma bûchette, voilà, et c'est pas éteinte. Donc voilà. En avant les croquettes.